Alors internaute, je suis avec Maxime et Robin. Alors attention, là t'as affaire à du haut niveau de blogueur parce que les mecs avec un seul blog, ils ont. C'est quoi déjà le nom de votre blog ? All In Electro. Ils ont remporté le meilleur blog catégorie musique et le meilleur blog de tous les blogs, c'est-à-dire champion du monde. Ça fait quel effet ? Ah bah ça, je pense qu'on le saura un peu plus tard. Là on déguste un peu la nouvelle, mais on est vraiment 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 heureux. Ça fait quel effet de vous qui communiquez avec votre communauté à travers un écran d'ordinateur de se trouver devant 2000 personnes, 2000 fans de blog? C'est un peu intimidant, hein. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose de dingue. Et on voulait remercier vraiment tout le monde parce qu'il y a le vote du public avant. Derrière il y a le vote. Attends, on va y venir, j'ai d'autres questions. Personnellement là je suis un peu. T'es sous charme, ouais, t'es bien, c'est, t'es. C'est un peu le film Gravity si tu veux là. D'accord, d'accord. Voilà. Et pourquoi t'as créé ce blog alors? Au départ en fait j'ai monté ça vraiment pour un petit blog perso. Après avec Robin on l'a vraiment développé là depuis juin 2012 et il y a de plus en plus de gens qui sont venus dessus. Donc on est vraiment hyper heureux que les gens adhèrent en fait à tout ce qu'on met dessus. C'est vraiment quelque chose de génial. Génial. Si il y a des gens qui veulent se lancer, en plus la catégorie musique, tous les styles peuvent être représentés. C'est quoi les bons conseils pour être un blogueur aujourd'hui, en l'an 2013? Alors le secret en l'an 2013, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est être passionné. C'est-à-dire que voilà, nous c'est vraiment par passion qu'on le fait. Voilà, c'est quelque chose, c'est-à-dire que ça nous bouffe tout notre temps libre. Voilà, Tu n'as pas de vie sociale. Je n'ai pas trop de vie sociale à côté de ça. C'est parce que même en sortir en soirée, ça devient professionnel. Et bon, c'est pas mal. Mais voilà, l'idée c'est vraiment être passionné, faire ce qu'on aime et le dire dans l'article. Voilà, c'est ça. Le faire passer le message. Voilà, c'est ça. Génial. Les gars, je sais pas quoi vous dire à part méga super félicitations. Je voudrais juste rajouter un truc. Et ben moi je voudrais te dire vas-y prends la parole. Allez. Je voudrais dire que à tous mes potes, surtout à ma copine, Marie, si tu me regardes. Dis-lui que tu l'aimes. Voilà, je t'aime. Oh, il est gêné. Non mais bon bref, ce que je veux dire c'est qu'on les a beaucoup saoulés avec ça. Ça fait un an, on leur prend la tête avec nos projets, tout ça. Et je voudrais les remercier aussi. Voilà. Ouais, parce qu'elle a failli te larguer, ça faut le dire. Ouais, elle a failli te larguer. Ouais. Non, mais moi, c'est le moment justement des remerciements. Est-ce qu'il y a d'autres gens que vous avez oubliés, que vous avez envie de remercier? C'est le moment. Tous nos rédacteurs, Quentin, Mathieu, on peut citer les noms, Mathieu Galvani, Mathieu Dangui, Emeric qui est à côté. Et voilà, donc il y a quatre rédacteurs qui sont des potes. Avec nous deux, on est cousins, c'est une histoire familiale. Donc voilà, non mais. Bravo. Robin. Et tous ceux qui nous suivent. Vraiment, continuez fans, parce que c'est toujours pareil. La route est longue et on a encore plein de bonnes choses pour vous. Et voilà. Et notamment, samedi, une petite soirée avec. Qu'est-ce qui se passe samedi? Une soirée chez toi, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Petit apéro au bateau phare voilà, avec trois artistes qu'on aime bien, pas très connus. On fait monter un gars de Bordeaux. Et c'est gratuit, ça vaut vraiment le coup de venir. Et ben voilà, c'est génial, les mecs sont tout le temps en train de faire des projets. Félicitations en tout cas. Merci. Et puis bravo et pour vous que ça dure. Ciao.